Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Voici une guidance pour le masculin. Voilà, pour les énergies de la semaine, du moment, mais aussi du coup de fin d'année. Et qu'est-ce qui se profile aussi pour l'année prochaine? Je me suis rendu compte que dans la dernière guidance du féminin, il était question, voilà, de ce qui allait se passer là, tout de suite, maintenant, en cette fin d'année. Aussi on allait jusqu'en Verseau et très vite en début d'année 2021. Donc on est parti, pareil pour le masculin, on va voir ce qui va sortir. Je vais utiliser l'oracle de la triade, ça fait un moment que je n'avais pas utilisé. Et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, peut-être un autre, on verra par la suite, je ne sais pas. Va bien jusqu'au bout de la vidéo parce que justement pour avoir la guidance avec ces deux jeux de cartes, j'aime bien voir s'ils vont se répondre ou pas. C'est un petit peu le côté magique des cartes que j'adore. Est-ce qu'elles se répondent? Souvent, elles sont en cohérence. Elle vient de sauter, celle-ci. Ah, ben, il y a vraiment une notion de déplacement, de changement, de voyage chez le masculin. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Il va vers de nouveaux horizons, là. Hein, il y a des envies de bouger, des nouveaux projets, tu vois, quand tu as ça. Ouais. Le 9 de carreau, c'est vraiment... Donc, ce sont les argonautes hein, qui prennent le bateau et qui s'en vont. Et ici, il est question de démarche, de changement, de préparatif, de départ, de voyage. On nous parle d'inquiétude aussi. Hein, peut-être des inquiétudes liées à un départ, liées à un voyage, hein, bien évidemment. Justement, sur le voyage, ça peut être aussi un chemin de vie, hein, le chemin de vie, le chemin de l'âme. Et en fait, ici... Oui, il y a des inquiétudes parce que c'est un chemin semé d'embûches, d'obstacles et de difficultés. Mais il y a vraiment, on te dit ici, tu as la capacité de surmonter les difficultés, justement. Bien sûr, il y a des précautions à prendre, il y a bien préparer le voyage. Ça peut être un voyage mouvementé, mais ça, c'est le voyage de ta vie, en fait, ça, sacré masculin. Donc, il y a question de démarche. Il y a des inquiétudes liées à cette démarche. Et on va voir vraiment de quoi il s'agit, mais en tout cas il y a un changement qui est en route là hein, pour le sacré masculin. Ouais, il y a vraiment un changement ici. Donc les argonautes, donc ils ont été mis en place par Jason, ils embarquent pour la Colchide. C'est pour ça que ça nous parle de déplacement, tu vois qu'il y a un bateau, hein, donc ça nous parle de voyage aussi. Mais il peut y avoir des retards aussi avec cette carte. Et effectivement, il y a des inquiétudes parce que il peut y avoir des retards, les retards ça peut être des désaccords aussi. Et bien sûr, toutes sortes de difficultés. Mais on te dit que tu as la possibilité de toute façon de passer au-delà de ça. De ces difficultés. Et ici, très clairement, tu vas te préparer. Et au niveau de la vie affective, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a un développement rapide. Il y a quelque chose qui peut être rapide et complètement imprévu aussi. Cette carte, elle fait partie du commerce, hein, parce que c'est le voyage et le bateau. Mais on parle d'imprévu. Et encore une fois, c'est marrant parce que on l'a vu dans la dernière guidance du sacré féminin, on parle de relations déjà en place, que les personnes soient séparées, on va dire à distance ou pas. Et en fait, c'est cette relation qui date hein, depuis un moment, depuis quelques années, eh bien, elle se transforme, elle se renouvelle. Il y a vraiment un renouvellement et on parle de nouvelles espérances ici. Et c'est complètement en adéquation, en résonance, je veux dire plutôt en résonance avec la dernière guidance du sacré féminin. Si tu ne l'as pas vue, tu peux aller la voir. Et ainsi, on te dit très clairement, prépare-toi parce que les choses vont bouger. Et on parle d'une possibilité, d'un nouveau départ sentimental. Voilà, donc que tu sois seule ou pas. Et encore une fois, ça rejoint, c'est assez fou, la guidance du sacré féminin, on lui disait ça. Et on dit dès le départ, on annonce la couleur dès le départ avec le sacré masculin. Donc, il y a une notion d'organisation. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est comme si le masculin savait. C'est lui qui se prépare à bouger. C'est lui, il le sent, il y va. Et bien, il va certainement rejoindre son autre. Donc, il y a une notion d'organisation. Il faut l'énergie aussi. Il faut qu'il puisse trouver l'énergie de mettre en place les choses, bien évidemment, parce qu'il est quand même inquiet pour ça. Mais aussi, il y a une notion d'adaptation avec un mot-clé pour la lettre N. Donc, il va falloir qu'il s'adapte.
Dans tous les cas, on lui parle de courage, on va lui donner le courage avec le genévrier Carthaméliseron, ici, avec les fleurs, hein, le langage floral. Et puis, on lui dit de se préparer au changement, au déplacement, moi je dis au changement, avec la constellation du dauphin ici. Voilà. Donc, il risque d'être un peu nerveux au niveau de la santé, notre sacré masculin, parce qu'il va falloir qu'il prépare tout ça. Dans tous les cas, on te dit qu'à partir du moment où les choses sont bien préparées, les choses aboutissent. Voilà. Donc, tous les projets que tu as, si tu les prépares bien, ils iront au bout. Hein, ils se réaliseront. Voilà. Et puis, avoir des déplacements pour le plaisir aussi. Alors, on continue. Hop. J'aime bien quand les deux guidances féminin et masculin se rejoignent et je ressentais beaucoup les énergies de 2021 hein, dans la guidance du sacré féminin. C'est pour ça que là, j'ai annoncé la couleur en début de guidance et je vais les mettre en titre justement pour fin d'année et 2021, début 2021 parce que on me parle très clairement de ça en ce moment. C'est comme si cette semaine, peut-être après cette pleine lune ou à partir de la dernière pleine lune qui a été vraiment intense, eh bien, en plus, je crois qu'il y a eu une éclipse de lune sur la dernière pleine lune. Eh bien, le renouveau était là en fait, était déjà là. Et c'est assez intéressant parce qu'il faut savoir que au Japon, le printemps, il y a quelque chose de très symbolique en fait. Le printemps commence au 1er janvier. Donc le printemps est déjà là. C'est vrai que souvent, c'est ça. Le printemps est déjà là. Il est en préparation, tu vois. Alors, prépare bien les choses justement pour pas avoir. On parle de choc inattendu ici, mais on te donne encore une fois le courage et l'énergie. Il est beaucoup question de courage et d'énergie. Si tu vas avoir des obstacles à vaincre, on voit qu'ils sont pas faciles, tu vois. Ces deux soldats, eh bien, ils ont beaucoup de courage parce que, bon, la guerre semble terminée, mais ils ne savent pas complètement. Et en fait, ils ont le toupet de traverser le camp ennemi à pied, quand même, avec leurs deux chevaux blancs. Il y a vraiment, et puis il y a Mars en fait, ils ont la force, la niaque, voilà, l'énergie surtout, la combativité, voilà. Mais on te dit de te préparer. Si tu ne te prépares pas, attention, on parle de choc inattendu, de quelque chose que tu vois pas venir ici. Donc prépare bien les choses, ne fais pas les choses sur un coup de tête. Hein? Tu y arriveras, il n'y a aucun problème, il y aura la victoire sur les événements, mais à condition que ce soit bien préparé. Pourquoi? On parle de quelque chose qui est au niveau de la loi. Ficelle bien tout, prépare bien tout. Il y a quelque chose qui n'a pas été à ton avantage par le passé, sacré masculin. Et on te dit aussi que justement, si les choses ne sont pas bien préparées, il y aurait avec le roi de pique, ici, très clairement, on passe devant la loi. Hein? Puis où on paye une amende, hein, il y a quelque chose, tu vois, lui là il est enfermé, on est jugé ici. Attention à être bien accompagné, fais-toi bien accompagner dans tes projets pour éviter tout revers de médaille. Et est-ce que tout a été bien ficelé par le passé? Parce que là, tu pourras avoir le revers de la médaille. Donc en fait, les difficultés et l'inquiétude de sacré masculin, elle est liée à quelque chose sur le plan administratif, matériel, peut-être professionnel, ou au niveau personnel, par exemple lors d'un divorce ou le sacré masculin, mais je me demande si on n'avait pas déjà vu ça, justement, aller perdre matériellement, pas tout, mais une bonne partie. Il y a peut-être aussi rupture d'un contrat professionnel ou cessation d'une activité ou d'une association professionnelle et quelque chose auquel tu ne t'attends pas, sacré masculin. Donc, on te dit, prépare-toi, fais attention, fais bien les choses pour éviter les revers de médaille qu'on peut voir ici. Donc, en fait, tes inquiétudes, elles sont bien, comment on dit ça? Elles sont confirmées, mais on te donne la puissance, le courage d'avoir la victoire sur les événements. Mais on te dit que c'est simple, tout projet bien préparé aboutira en ta faveur. On voit que pour le moment, c'était pas vraiment le cas, d'accord, avec notre roi de pique qui est ici. Où là, il est vraiment question d'être jugé, pardon, d'être critiqué, d'être jugé. Je vais boire un petit peu. Donc, on va voir en conclusion de quoi on nous parle. J'ai l'impression qu'elle sera plus courte cette guidance-là, mais on va voir avec l'oracle de la triade. Il y avait quelque chose qui me
m'enthousiasmait dans la guidance du sacré féminin. On avait des cœurs partout. On voit que c'est, il y a un plus d'obstacles quand même encore à faire face pour le sacré masculin. Voici. Et bien voilà, les questions de s'affirmer, d'y arriver. On voit qu'il y a eu des pertes, hein. Des pertes certainement dans le domaine professionnel aussi, en tout cas des pertes matérielles. Suite, ça peut être à un divorce, suite encore une fois à la cessation d'une activité professionnelle aussi, que tu es entrepreneur, que tu arrêtes ton activité ou pas. Voilà. Après, effectivement, ça dépend comment tu faisais ton activité, parce que si c'était mal ficelé, là il y a un jugement. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Fais-toi accompagner si besoin, n'hésite pas à demander conseil ou à te faire accompagner par un avocat, un juriste. Voilà, il y a une question de ne pas rester dans l'ignorance ici. Et on voit que là, Amicio, c'est la perte, vraiment les pertes, la fin d'une situation, la rupture, fin d'une situation, anéantissement, voilà. Bref, le chaos, mais de toute façon, c'est pour prendre un nouveau départ ici. Alors, c'est sûr qu'il est possible que tu aies des choses du passé qui reviennent ici, des choses dont tu n'avais pas connaissance. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choc inattendu ici. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu as Mars avec toi, on te donne la combativité ici, tu auras la victoire. Tu auras la victoire si tu fais face aux événements. Voilà, faut pas fuir en fait, c'est ce qu'on est en train de te dire. Donc t'inquiète pas, c'est dur, mais sois combatif. Tu as l'aide de toute façon avec toi, justement, tu as l'aide de Mars. Ta Mars, c'est guerrier. Hein. C'est masculin et c'est guerrier. Donc voilà, malgré cet anéantissement, c'est cette fin de situation, elle est positive, elle te permet d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller vers de nouveaux projets. Ici, le passé est là, le futur ici est ici. Et en même temps, je regarde mes deux petits sujets là, près, vers toi. Et surtout ma constellation sur le roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est quelqu'un qui est agréable, qui est de bons conseils, qui est sage aussi, mais souvent qui peut être trop gentil et qui a besoin de s'affirmer. En tout cas, je te disais, il était question de conseils. Prends conseil auprès de quelqu'un. Là, il s'agit auprès d'un homme. Hein, qui est vraiment, qui a une sagesse, qui est de bons conseils. Ne fais pas tes projets là tout seul, sans prendre d'avis ni de conseils. Tu vois, on t'en parlait, on est encore en train de t'en parler. Si c'est bien préparé, si tu prends conseil, ça va fonctionner. Tu vas t'en sortir. Prends conseil si tu as besoin de te sortir d'une situation aussi. Très clairement. On parle de nouvelles certitudes avec la gloire de Frédéric. C'est-à-dire que cet homme-là, c'est les conseils qu'il va donner, en fait, vont te permettre de voir les choses avec plus de clarté et autrement. Donc là où tu t'inquiétais, on voyait qu'il était vraiment question d'inquiétude. Hein. On l'a vu avec les argonautes tout à l'heure, mais aussi ici, avec le petit sujet là. Et on voit que c'est, oui, les inquiétudes avec cette carte-là, on voit qu'il est question de jugement ici. Eh bien, elles sont légitimes en fait. Mais voilà, tu peux avoir de nouvelles certitudes avec la gloire de Frédéric, avec la constellation. Ici en plus on voit qu'on a une très belle étoile là, tu vois. Et puis, dedans, je crois que c'est Saturne. Donc il y a vraiment cette autorité, cette force, mais aussi le fait de bien préparer. Il y a une notion de persévérance aussi. Et ta Caput Draconis qui va faciliter tes actions. D'accord ? Toutes les actions que tu vas mettre en place, c'est vraiment, à partir du moment où tu fais un premier pas, l'univers conspire à t'aider. Mais il faut que tu fasses le premier pas. Hein ? Ça, c'est important. Et sacré féminin, si cette guidance te parle, eh bien, c'est, voilà, ça, c'est, y a cette notion-là de se mettre en action. Des féminins, en fait, on voyait dans l'autre guidance qu'il y avait un équilibre vraiment qui s'était fait entre la polarité féminine et masculine. Et peut-être qu'on a des sacrés féminins qui n'étaient pas assez dans l'action. Et du coup, cette guidance peut être complètement complémentaire pour certains sacrés féminins ici. Caput Draconis, j'adore. C'est la tête du dragon. Elle nous parle vraiment de très très belles choses, de bonheur, de réalisation, de construction aussi. Puis j'adore les dragons aussi, c'est peut-être pour ça. On a quelque chose qui est lent avec Caput Draconis. Hein. Il y a encore cette notion de cheminement, mais de construction pour quelque chose de stable et de durable. Donc ce sont vraiment tous les efforts, et c'est vraiment, ça rejoint encore une fois la dernière guidance du sacré féminin. Tu verras, je ne sais pas encore quel titre elle est là, je suis en train de la monter, mais je n'ai pas encore donné de titre, mais tu verras, il y aura écrit 2021, ce sera cette dernière guidance-là, les énergies pour 2021. Tu la retrouveras facilement, puisque je mettrai l'année prochaine. Et
Eh bien, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion du chemin parcouru, d'avoir, voilà, de continuer à être persévérant ou persévérante, parce qu'il y avait une faute de persévérance en fait, c'est-à-dire que le sacré féminin n'arrivait pas, réalisait pas encore ce qui était pour lui, hein, le sacré féminin, lui, ce qui était pour lui, parce que elle était certainement épuisée, fatiguée et un manque de persévérance dans certains domaines. Et bien là, il y a cette notion-là, ça peut aussi, sacré féminin, te redonner du baume au cœur, parce que il s'agit ici des efforts en fait, hein, des efforts sur le long terme. On dit des hommes qui tendent vers le haut, c'est-à-dire qui permettent l'évolution, qui permettent l'éveil, l'ascension, l'évolution, la transformation. J'ai une petite poupette qui essaie de venir voir sa maman. Elle cavale. Elle a réussi à s'échapper. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est long, qui est lent. C'est un chemin long, lent, mais harmonieux et constructif. C'est ça que te dit Caput Draconis. Et ici, écoute bien, on va jusqu'au mois d'août et on parle d'une belle évolution entre 6 mois à 1 an. Donc tu vois, c'est, allez, tiens bon, encore une fois, en créole, tiéberet, pas molli. Tiens bon, on va jusqu'au mois d'août ici. D'accord, il y a quelque chose qui arrive plus rapidement pour le sacré féminin. On voyait qu'il y avait une belle transformation qui lui permettait de commencer à mettre les deux pieds peut-être en Verseau dans quelque chose de nouveau et qui allait justement prendre de l'essor après par la suite. Hein. Faut tenir encore en 2021. Hein. Ouais, jusqu'à cet été, je pense. Jusqu'à cet été. Même toute l'année, je dirais. Hein. Mais je pense qu'on souffle, on souffle. Moi, j'ai cette sensation-là que ça va être plus léger, plus joyeux, justement, à partir de l'été prochain. Et en attendant, c'est pas vain. En attendant, les choses, elles se mettent en place, elles se construisent. Vos nouvelles vies, sacré féminin, sacré masculin, elles sont en train de se construire maintenant. Les bases, les fondations, elles sont en train de se construire maintenant. Pour ça, on parle d'une action lente. On n'oublie pas avec Caput Draconis, qui est ici sous le G, d'accord? Lente, mais c'est constructible. C'est pour des bases stables, c'est du solide. C'est-à-dire qu'on déconstruit ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui fait partie du passé, qui n'est plus du tout dans les énergies du moment. Il y a une notion d'ascension, d'élévation, hein, des efforts des hommes qui tendent vers le haut. Donc il faut le temps que ça se mette en place. Et ce n'est pas parce que tu ne le vois pas, sacré masculin tout de suite ou sacré féminin, que ce n'est pas en train de se mettre en place. Voilà. Donc action harmonieuse et constructive, stable, durable, mois d'août. On parle d'un jeudi aussi, on parle de 6 mois à 1 an. On parle de nouvelles certitudes, fais-toi accompagner, prends des bons conseils, c'est important. On va aller voir avec l'oracle de la triade. Alors souvent on me dit, j'ai des masculins qui me disent, ah, je me retrouve plus dans le tirage du féminin. Bah oui, parce que on est dans les énergies féminines. Alors on me dit, oui, c'est quoi? Tu parles de polarité féminine, de polarité masculine? Non, moi je parle du genre, sacré féminin la femme, sacré masculin l'homme. Mais bien sûr, eh bien, ça nous met dans les énergies, eh bien, du féminin et dans les énergies du masculin. Et des fois tu vas te retrouver dans une guidance, des fois ce sera dans l'autre, et peu importe. Et moi je suis sûre que les énergies, un coup les énergies féminines tu les retrouves dans le masculin, un coup tu les retrouves dans le féminin, et puis à un autre moment ça s'intervertit. Tu as les énergies féminines avec le féminin, puis les énergies masculines avec le masculin. Donc je peux pas parler de polarité, vraiment telle polarité pour le sacré féminin, telle polarité pour le sacré masculin, parce que je me rends compte qu'en fait, en fonction des énergies, eh bien, elle tourne, et c'est très bien, c'est comme ça qu'il y a une fusion finalement, quelque part. Et ce qui compte, c'est que toi, bah écoute, si tu te retrouves, tu es un homme, tu te retrouves dans la guidance du féminin, eh bien c'est bien. Et si tu es une femme et que tu te retrouves dans la guidance du masculin, eh bien c'est bien aussi, c'est que c'est pour toi. Voilà, faut pas rester sur ça, quoi. Regarde, prière.
Alors ça me parle parce que je me suis dotée du livre audio sur la prière de Greg Braden que j'adore, que je suis déjà depuis de nombreuses années quand même, depuis un bon petit moment. Au départ, il était en anglais. J'étais heureuse quand il a été traduit d'ailleurs parce que je le suivais en anglais au début. Et c'est vraiment sur l'art de la prière. Tu peux trouver, tu peux le taper sur YouTube. Hein. Sur YouTube, tu peux taper l'art de la prière Greg Braden et tu trouveras, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'était une vidéo qui m'avait beaucoup parlé à l'époque. Et il y a un livre qui est sorti, je l'ai pris en audio et il me parle vraiment puissamment. Je prie depuis que je suis toute petite, très naturellement, sans avoir, même si j'ai fait le catéchisme, qui a été une belle culture générale en fait, mais où j'étais pas toujours d'accord, même petite, avec ce qui se disait d'ailleurs, c'est assez drôle. Mais j'aimais dessiner Jésus, faire de beaux dessins. Et la prière, en dehors de toute religion, moi, m'a toujours parlé, c'est quelque chose de très naturel chez moi. Que je continue, c'est un moment de contemplation, un moment aussi de méditation, et c'est la prière au-delà des mots en fait, hein, d'accord? La prière est sentiment, premier secret de la prière, je te le donne. Et bien ici, il est question de ça, elle est sur toi, sacré masculin, peut-être qu'on te demande de prier justement, de prier avec le cœur, de prier. Prier, c'est quoi? C'est ressentir ce que tu souhaites. Voir se réaliser, c'est le ressentir comme si c'était déjà réalisé. Il y a trois flammes. Trois flammes. Regarde. Ce qui vient de se retourner. Regarde, la lumière. La lumière est là, hein, d'accord? Priez pour la lumière. Parce que la lumière sera de toute façon. Il est fort ce message. 7 et 3, 10. On revient au 1. Au 1, le 1, au divin, d'accord? Va voir la lumière dans ton cœur. L'ombre sert la lumière parce que lorsque tu vois tes ombres, d'abord tu te connais mieux. Regarde, il y a quelque chose qui est très très fort ici, qui est très spirituel, qui est très divin. Et tu ne peux pas te connaître sans connaître tes ombres, ça n'est pas possible. Quand tu connais tes ombres, tu les accueilles, tu mets de la lumière dessus. À chaque fois que tu vois l'ombre quelque part, eh bien la lumière se fait un peu plus aussi également. Ici, on exhorte le sacré masculin à se relier au ciel, à prier, à venir en son cœur et à prier son divin intérieur. Justement, il est question vraiment d'une élévation, d'une ascension. On voit très clairement que le féminin et le masculin se donnent la main pour évoluer. On a un masculin qui est également en pleine élévation, en pleine réalisation, tout comme le féminin. Moi, ces deux guidances, en fait, elles me donnent énormément d'espoir vu la situation dans laquelle nous sommes en ce moment, vu la situation mondiale. Et très clairement, ici, on montre que la lumière a gagné. Mais depuis longtemps, en fait. En toi aussi, et d'abord en toi. Alors on va aller voir un petit peu plus en profondeur justement avec l'oracle de la triade. Cette notion de prière, peut-être avec l'élévation. On a 2 fois 10, hein, regarde. 10, 10, je fais des réductions théosophiques. C'était 3, 10, 1 plus 9, 10. On a beaucoup le 1 qui est là. Beaucoup le 1, on parlait d'aide, de force sur les événements, de protection, d'accord? De combativité pour le masculin. Là, on a 11, le chiffre 11. 1 plus 1 égale 2. 11, c'est le chiffre des flammes jumelles aussi, on dit. Donc, on exhorte peut-être les flammes jumelles aussi à justement à fusionner, à se réunir, peut-être d'abord, à fusionner. La réunion, elle peut se faire d'une manière ou d'une autre, hein, c'est. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait beaucoup dans les inconscients, beaucoup dans les énergies. On demande de faire confiance aussi, d'avoir confiance et de faire confiance. C'est ça aussi la prière. C'est ce qu'elle vient renforcer, hein, cette prière-là aussi. L'élévation, elle nous parle d'un nouveau départ ici. Elle est reliée à la langue pinéale, à la langue.
Non, la glande pinéale. La glande pinéale, c'est ton sixième chakra, centre énergétique. C'est-à-dire, c'est le troisième œil. On parle de clarté, d'intuition. Les choses, elles deviennent visibles, elles se voient. D'accord? Et l'ascension permet une accession à quelque chose de plus grand. D'ailleurs, c'est la colonne vertébrale. Regarde l'axe vertical. Ta colonne vertébrale, ton bassin, ta colonne. D'accord? Ta tête reliée au ciel, sacré masculin ou sacré féminin. Moi j'aime beaucoup ici pour le futur, donc ici on n'est pas dans le même sens, hein, passé, présent, futur, pour l'oracle de la triade. On parle de quelque chose qui grandit au niveau affectif, il y a un amour qui grandit de plus en plus. Il y a encore, c'est fou parce qu'on nous parle encore de renouvellement dans une relation avec cette élévation-là. Moi je vois qu'il y a quelque chose qui se fait d'abord très intérieurement, avec un désir du masculin d'accéder à ça, on parlait d'accession, hein, d'accéder à une vie sentimentale beaucoup plus profonde, plus épanouie, en accord avec son âme, en connexion avec le divin. On parle de lien sacré ici, il y a une notion de sacraliser son amour, il y a une grande fidélité pour le masculin, autant en amour comme en amitié, tu vois, je te disais d'aller jusqu'au bout de la guidance au départ, parce que je savais qu'il y avait quelque chose de beau qui allait en émerger de cette guidance, mais ça vient pas tout de suite, il faut attendre un petit peu, en tout cas chez moi, que les choses se mettent en place. Et ici, il y a vraiment, on parle d'un amour qui est fort. Et pour moi, il n'est pas platonique cet amour, parce qu'en fait, il pourrait très bien être platonique, puisque ça dépend des cartes environnantes. On a la prière à côté, on a un amour spirituel ici. Très clairement, on a un amour spirituel. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est fort et c'est ça qui est beau. Ici, on a un masculin aussi. On peut nous parler de notoriété, tout comme le féminin d'ailleurs. Hein. Pour moi, il brille. Donc, on a le masculin ici. Il y a cette notion aussi de quand tu te reconnectes à toi-même, en fait, tu brilles. C'est-à-dire, tu augmentes ta fréquence vibratoire. Lumière, ascension, augmentation de la fréquence vibratoire du masculin. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tu irradies autour de toi et tu réalises ce que tu as réalisé. Mais il y a une puissance ici. On pourrait penser, tu vois, aux flammes jumelles. On a deux flammes plus la troisième, la source, le divin. Il y a un renouvellement, il y a un recommencement, on peut parler d'éternel recommencement aussi ici. Il y a quelque chose qui est fort, qui est intense. Voilà, pour moi, on parle d'un amour qui est spirituel. Et ici aussi, on a un sacré masculin qui va être ambitieux, qui sera combatif, hein, c'est clair. Et on te dit que tes vœux seront exaucés si tu continues, si tu crois en toi, si tu fais face aux difficultés, il y a la victoire. Mais il faut faire face aux difficultés. Et c'est assez intéressant parce qu'ici, on parle comme par hasard que des déplacements sont à prévoir au niveau professionnel. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? On nous parlait de ces mêmes déplacements ici avec les argonautes. Tu vois comment elles peuvent être en correspondance, les cartes? Voilà, ça c'est intéressant, c'est l'élévation qui nous en parle pour le futur. Hein. Donc, il peut y avoir crois en toi, malgré la situation, parce que ne lâche pas et crois, voilà, prier, c'est ok, qu'est-ce que tu veux pour ton avenir? Ressens-le comme si c'était déjà réalisé. C'est ça le sentiment, c'est ça la prière. Voilà. Et ça veut dire qu'ici, si tu continues dans cette direction, si tu sais faire face aux difficultés, parce qu'il y en aura, bon, la vie, elle n'est pas lisse de toute façon, et surtout en ce moment. Mais on te parle, il peut y avoir des rentrées d'argent complètement imprévues aussi, hein, et où aussi des situations financières qui se résolvent de manière inattendue, ou rapidement aussi. Et en tout cas, il y a quelque chose, voilà, des revenus qui peuvent augmenter, il peut y avoir des bénéfices au niveau financier aussi, ça peut être vraiment très intéressant. Donc là, j'étais sur l'élévation. On a trois belles cartes. Donc je m'en fais pas du tout pour sacré masculin. Et en même temps, il y a une transformation du masculin. Et ça, c'est. Et du féminin, ce qui veut dire que pour moi, il y a quelque chose qui. Il y a une transformation au niveau du monde. Laissons le vieux, le sombre tomber et s'écrouler. Et laissons la lumière prendre le dessus. Tu vois que tu as un fond violet déjà.
Donc il y a quelque chose de mystique, il y a une atmosphère qui est propice justement à la méditation, au recueillement. Il y a cette notion de trinité avec nos trois bougies, nos trois flammes. C'est le feu intérieur, hein, les flammes, c'est l'aspiration de l'âme. Donc on te demande de suivre justement, justement tes désirs, tes envies, suis tes aspirations profondes, suis tes aspirations profondes, suis le message de ton âme. Ici, il y a vraiment, c'est vraiment le reflet de l'âme ici. Donc, il y a une notion de mort aussi, parce que les cierges qui se consument nous parlent de la mort, de mort et de renaissance en fait. Hein. D'accord? Il y a cette notion-là avec les cierges. Il y a cette notion-là, la mort pour la renaissance. Donc, laisse-toi mourir pour renaître en fait. On a vu qu'il y avait des heureux événements, qu'il était question d'une nouvelle naissance avec le sacré féminin. Et bien, c'est peut-être ça, la nouvelle naissance, c'est peut-être celle de ton autre sacré féminin d'ailleurs. Hein. Sur le plan affectif, c'est ça, on parle de sincérité. Évidemment, tu l'auras compris, je t'en ai déjà parlé. On est sur quelque chose qui est vraiment spirituel. Alors, t'es pas ici dans un amour amoureux avec des attachements. On est sur quelque chose de beaucoup plus profond que ça, d'accord? Il y en a aussi peut-être qui idéalisent l'amour, hein. Mais pour moi, avec la carte de l'élévation à côté, on n'est pas sur une idéalisation, on est sur un amour sacré. Parce qu'on pourrait être, sans la carte de l'élévation à côté à droite de la prière, être dans un amour justement qui est idéalisé, qui est sacralisé, et on pourrait très bien, eh bien être dans l'illusion. Ici, ce n'est pas le cas avec l'élévation et la lumière qui entourent la carte de la prière. Hein? Mais effectivement, ça ramène aussi à l'amour de soi. Ça ramène le sacré masculin à cet amour de soi, de lui-même. Hein? Spirituel d'abord. Et d'abord, justement, cet amour sacré, c'est d'abord cet amour de soi avec soi, avant tout. Et c'est de ça dont nous parlent aussi ces trois cartes-là. Et c'est important. Il faut savoir que nombre 19 aussi, bon, je te disais qu'il y a une notion de solidarité, quelque chose de réciproque avec le chiffre 9, non ça je ne te l'ai pas encore dit, mais c'était l'unité, quelque chose qui se fait à travers l'unité justement. Quand on est dans l'union, dans l'unité, je crois qu'on nous exhorte à nous unir, eh bien il y a cette notion de solidarité. L'unité c'est que le 1. Voilà. Attention. Aux articulations des genoux, notamment des ménisques ici, et des vertèbres cervicales. J'ai envie aussi de te parler de cette lumière, je t'en ai déjà parlé, mais d'aller peut-être un petit peu plus loin. Il y a cette notion de mettre de la lumière sur ses ombres, d'accueillir chacun des personnages que tu as à l'intérieur de toi, sacré masculin. Il y a une notion de vérité, d'illumination, bien sûr, de lumière avec la lumière, hein, tu l'auras compris. Et la lumière, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, d'abord, la lumière, c'est aussi la création de Dieu, de la source, de l'univers, tu l'appelles comme tu veux, qui est d'abord en toi. Et cet état de Bouddha dont parlent aussi les bouddhistes, qui est en chacun de nous. Et qui existe en chacun de nous. Quand tu le fais surgir, quand tu fais surgir ta lumière, cet état de Bouddha, tu le fais surgir aussi chez les autres. Il y a vraiment cette notion-là. Et ici, la lumière écarte les ténèbres, en fait, on te dit. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et moi, j'aime bien ça. Le soleil, ici, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rayons. Et il symbolise l'humanité qui vient justement de la source. Hein. C'est vraiment l'aspect divin de l'humanité. Et aussi, c'est de ne pas oublier justement ta puissance et que tu es un être spirituel vivant une aventure humaine. Peut-être que aussi cette carte et cette guidance rappellent justement ta puissance. N'oublie pas qui tu es. Ne te laisse pas imposer ta vie. Ne te laisse pas. Enfermé, c'est ça que ça veut dire aussi. Souviens-toi de qui tu es. Il y a quelque chose de très fort dans cette guidance sacrée masculin. Ici, elle exhorte les sacrés masculins à
revenir en connexion avec leur âme, à écouter leur âme, à mettre l'ego de côté. En tout cas, c'est celle du bonheur. Toujours, il est toujours question de sentiments profonds et sincères. Toujours d'une harmonie hein, dans les échanges affectifs, quels qu'ils soient, donc amoureux, bien sûr, on va dire, sentimentaux, familiaux ou amicaux. Ici, on peut parler d'une nouvelle rencontre encore une fois aussi. On parlait de renouvellement aussi tout à l'heure. Donc, on peut avoir quelqu'un du passé hop, qu'on retrouve aussi dans le futur ici, où on parlait de renouvellement, tout à fait, et puis avoir aussi une nouvelle rencontre. En tout cas, on a quelque chose de plutôt bon. Ah, ça, c'est intéressant, parce que la lumière, elle correspond à la politique. Aux arts aussi, mais à la politique. Donc, peut-être que la lumière va se faire aussi d'un point de vue politique. Hein? Et vraiment, on appelle l'humanité tout entière à se reconnecter à son cœur, à l'intérieur de soi, son divin intérieur. Il y a quelque chose qui est en pleine transformation. Et très clairement, l'humanité ascensionne, qu'on le veuille ou non. Et le masculin ascensionne. En tout cas, il y a une notion de respect, de confiance, d'écoute aussi ici. On a des masculins ici qui vont sortir aussi de l'ombre hein, et qui vont peut-être aussi parler de ce qui leur tient à cœur et aussi mettre en lumière justement ce qui ne va pas. Et d'un point de vue sentimental, on a de belles réalisations qui s'annoncent. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura plu. Peut-être une petite carte médecine pour le masculin. Allons-y. La libellule, ah, la libellule. La libellule, elle est reliée justement à l'aspect spirituel. Hein. C'est fou, invisible. On te dit, confronte le déni, dissipe les illusions, accueille ta vérité intérieure, sacré masculin. Complètement. Ben voilà, la lumière, c'est ça, c'est ta vérité intérieure. C'est ça la lumière, confronte le déni. Donc on a un masculin qui sort du déni, qui lève le voile des illusions et qui accueille sa vérité intérieure, c'est-à-dire il se voit qui il est vraiment, réellement, se reconnecte aussi à sa spiritualité, quelque chose de plus grand, plus profond, et reconnaît aussi un amour qui est plus grand que ça, peut-être avec son autre. Voilà la libellule, on a un sacré masculin qui a accès à l'invisible. Merci à toi, passe une très belle journée. Si cette guidance t'a plu, eh bien, abonne-toi et merci pour tes abonnements. Pour une guidance personnelle, tu peux écrire à lesacréféminin@gmail.com. Tu as dans la description ci-dessous le mail. Merci à toi.